Je m'appelle Julien Albrock et j'écris de la littérature populaire depuis maintenant 5-6 ans. Avant, j'écrivais du jeu de rôle, des scénarios, des livres sur différentes gammes pour différents éditeurs. J'ai eu l'occasion de travailler dans la littérature populaire avec le Carnoplast, un éditeur de fascicules pour des courts romans sous un format un peu désuet. Et puis, j'ai publié aussi quelques nouvelles chez ActuSF. Et là, mon dernier roman s'appelle Malheur aux gagnants et est sorti chez les Moutons électriques. Malheur aux gagnants, en fait, se déroule en 1935 à Paris et on suit l'enquête faite par trois gueules cassées qui partent à la recherche des assassins de la loterie. Puisque ce qu'il faut savoir, c'est que notre loto tel qu'on le connaît, la Française des Jeux, dans les années 20, les années 30, ça s'appelait la loterie nationale, et c'était géré notamment par l'amicale des blessés de la face, donc l'amicale des gueules cassées, et avec cette loterie-là et les ventes des billets, ils finançaient les centres de soins, de repos, de convalescence, etc. Ce qui se passe là en 35, c'est que les deux derniers gagnants sont retrouvés morts. On n'a pas touché à leurs gains, on n'a même pas touché à leurs billets de loterie, donc c'est assez curieux. La police et la gendarmerie ne voient qu'une coïncidence entre les deux meurtres. C'est pas le cas du président de l'association qui se dit « Oh là là, si tous nos gagnants sont retrouvés assassinés, c'est foutu, plus personne va vouloir jouer et on va devoir fermer nos centres de soins et c'en est fini des soins et de la rééducation prodiguée à toutes ces gueules cassées. » Donc il charge trois d'entre eux de jouer les détectives amateurs qui vont donc écumer le Paris des années 30 et vite tomber dans un panier de crabes avec des espions, avec des savants, avec toute une histoire de mathématiques et d'équations un peu mystérieuses. J'ai eu l'idée de ce roman quand j'ai découvert un peu par hasard, alors que je surfais sur internet, que justement notre loto dérivait donc de cette histoire de loterie nationale. Avant même que ce soit l'achat de billets et les gros lots pécuniers, c'était des tombolas qu'ils appelaient les dettes, parce qu'ils estimaient que les Français avaient des dettes, une dette morale en fait envers les gueules cassées. Et les gains, les premiers prix, c'était des trucs énormes. Les gens pouvaient gagner même un avion ou ce genre de choses. Après, ça s'est monétisé, c'est devenu des tickets et la loterie telle qu'on la connaît, mais le concept loto, hasard, gueule cassée, je me suis dit il y a quelque chose à faire, donc je me suis un petit peu plus documenté et sur les gueules cassées, sur les centres de soins, etc., et sur la loterie telle qu'elle était à l'époque, et j'en ai profité aussi pour aborder le sort de ces personnes qui sont revenues de la guerre complètement défigurées. La guerre a dévoré leur visage et il y a toute leur vie à refaire, puisque certes ils reviennent en vainqueurs, mais à quel prix quoi, le prix à payer est énorme et surtout est quotidien quoi. C'est-à-dire à chaque fois qu'ils se voient, à chaque fois que des gens les regardent, c'est inscrit dans leur chair et je trouvais ça intéressant. D'autant plus que, alors je ne l'ai pas connu, mais mon arrière-grand-père est revenu, gueule cassée, est revenu borgne de Verdun. Donc j'avais envie aussi d'aborder le personnage. Et j'ai décidé de mettre plusieurs genres, d'une part parce que c'est toujours quelque chose que j'ai, enfin c'est quelque chose, c'est toujours un petit peu fait. Moi j'aime bien mélanger un peu et pas m'interdire d'aller chercher un peu dans le fantastique, etc. Et ensuite parce que dans la littérature de l'époque, dans toute cette littérature populaire, policière, mais aussi science-fictionnesque ou fantastique, tout ce qui est le merveilleux scientifique des années 20, des années 30, ils s'en privaient pas non plus. Je prends par exemple un héros tel que le Nyctalope inventé par Jean de La Hire, qui est un des premiers super-héros même de l'histoire de la littérature. Il faisait, dans une enquête, c'était une histoire d'arnaque avec des espions russes, et la fois d'après, il allait sur Mars en transplaneur, machin, enfin voilà. C'était un mélange, et cette littérature-là, à l'époque, elle était très très riche, et j'ai eu envie d'aborder un petit peu tous les genres comme ça, et notamment aussi l'espionnage, parce que j'aime bien l'espionnage à l'ancienne. C'est un genre qui est complètement tombé en désuétude après la chute du mur de Berlin, mais l'espionnage a connu des riches heures dans les années 60-70, ils s'en vendaient par dizaines, centaines de milliers, et j'aime bien ça, donc je me suis dit c'est aussi l'occasion voilà, de faire intervenir des espions allemands, alors que voilà, l'Allemagne vient tout juste d'être conquise, on peut dire, par les nazis qui viennent juste de prendre le pouvoir. Il y a l'URSS de l'autre côté, avec Staline qui avance ses pions prudemment dans l'Europe, donc voilà, c'était le contexte politique qui s'y prêtait aussi. Ce qui m'intéresse au niveau de l'aléatoire, de la chance et tout ça, c'est que c'est un moteur à intrigue assez puissant, parce que il suffit d'avoir un coup de chance ou de malchance et de traverser au bon ou au mauvais moment, et tout de suite il y a des embranchements narratifs complètement différents qui peuvent complètement bouleverser l'histoire. Et j'avais envie d'aborder l'aléatoire parce que je me suis rendu compte que des mathématiciens à l'époque et même maintenant travaillent sur comment, alors non pas forcément le contrôler, mais l'étudier, quantifier les choses. Je trouvais ça assez fascinant, et puis j'avais envie de travailler un petit peu
Un petit peu comme dans les films Destination Finale, où on a toute une suite de circonstances qui font qu'il y a une situation qui dégénère à un moment. Je m'inspire avant tout pas mal du cinéma. Je suis un lecteur, mais je suis aussi cinéphile. Alors, sur certains projets, c'est quasiment des hommages à tel ou tel genre de film. Là, un peu moins. Là, je me suis surtout documenté, on va dire, historiquement. J'ai surtout travaillé le fond historique, l'époque, et puis le sujet des gueules cassées, pour le coup, avec différents ouvrages sur la guerre, mais surtout sur les années 30, après, le contexte et tout ça. Je me suis quand même inspiré aussi de la série de Boro Reporter, qui traverse toute cette époque le long de plein d'enquêtes. C'est une série de romans qui m'a vraiment passionné. Et puis, j'ai aussi essayé de travailler un peu le langage, avec notamment un bouquin qui s'appelle « Le poilu tel qu'il se parle ». Et c'est un bouquin passionnant puisque c'est un linguiste qui a écumé les tranchées à l'époque et qui allait relever front par front et régiment par régiment les expressions et ce qui pouvait se dire. Et il en résulte un dictionnaire dans lequel je me suis vraiment fait plaisir pour essayer de teinter un peu le bouquin de mots de l'époque. Ça me faisait vraiment plaisir de faire revivre des mots, alors certains qui de nos jours sont toujours connus et d'autres qui sont complètement oubliés, et de les remettre dans la bouche de personnages de nos jours, enfin de nos jours non, mais à notre époque.